Hello les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Metaverse. Aujourd'hui, je vous apporte une excellente nouvelle qui, je suis certain, va beaucoup vous ravir. En tout cas, je l'espère vivement. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez, il y a un adage qui dit que le temps, c'est de l'argent. Et dans le monde hyperactif dans lequel nous vivons, il vaut mieux être très speed ou super bien organisé pour s'en sortir efficacement. Surtout si on veut réussir plusieurs projets à la fois. Alors, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, c'est-à-dire de celles qui veulent se divertir tout en étant productives, apprendre tout en s'amusant, être ailleurs tout en étant ici, vous êtes donc au bon endroit. Amazon vient de mettre à jour sa plateforme de livres audio Audible et offre maintenant un essai gratuit de 30 jours plein à toute personne qui souhaite profiter de numérique extraordinaire en version abrégée ou intégrale. Vous aurez accès à un immense catalogue de près de 500 000 ouvrages audio, des podcasts, des créations originales, lus avec des voix uniques de narrateurs célèbres ou de personnalités politiques, et ceci dans toutes les langues les plus parlées du monde et pendant la durée que vous désirez. Vous retrouverez donc dans le catalogue Audible, vous avez des auteurs ou des autrices, donc je vous laisse écouter un auteur qui est très connu, donc J.K. Rowling avec Harry Potter à l'école des sorciers. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Groening's, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou deux fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Voilà, donc on vient d'écouter un petit extrait de Harry Potter à l'école des sorciers. Je vous fais écouter aussi rapidement un petit extrait donc, de Solar, les mystères de l'étoile rebelle, donc avec Colin Stewart. Celsius. Quant à la sonde Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne, lancée le 10 février 2020, elle profitera de ses croisements de trajectoire avec la planète Vénus pour progressivement infléchir son orbite et survoler les pôles du Soleil, région cruciale pour comprendre le comportement cyclique de notre étoile. Au cours de la prochaine décennie, ces nouvelles sondes renverront plus de données sur le Soleil que tous les engins précédents. Un volume tel qu'une armée d'astronomes ne suffirait pas à les analyser. Donc, vous avez aussi la possibilité d'écouter l'affaire Alaska Sonder avec Joel Dicker, un petit extrait. Mais j'allais vite découvrir que la gloire n'était pas sans conséquence. Ceux qui me suivent depuis mes débuts savent combien l'immense succès de mon premier roman allait me déstabiliser. Écrasé par la célébrité, je me retrouvais dans l'incapacité d'écrire. Panne de l'écrivain, panne d'inspiration, crise de la page blanche. Donc vous avez aussi des idées pour votre première écoute que vous retrouverez ici. Et vous avez aussi le choix de l'équipe que vous pouvez retrouver là pour discuter de certains sujets donc, qui vous tiennent à cœur, donc à écouter évidemment. Donc rapidement, je peux vous faire écouter Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. On devient ce à quoi on réfléchit. Selon la loi de la concentration, toute pensée sur laquelle on revient constamment se transforme en réalité. Tout ce à quoi vous réfléchissez assez longtemps et assez assidûment finira par s'inscrire dans vos processus mentaux, exerçant son influence et sa puissance sur votre attitude et vos comportements. Si vous entretenez continuellement des pensées empreintes d'audace, de courage et d'affirmation de soi, vous gagnerez progressivement en audace, en courage et en affirmation de soi. Plus vous vous concentrerez sur la personne que vous aimeriez être, possédant les qualités que vous aimeriez posséder, plus vous les enracinerez profondément dans votre inconscient, où elles en viendront à faire partie de votre évolution continue. Ce à quoi on réfléchit généralement finit par s'inscrire dans son caractère et sa personnalité. Et aussi, donc, pour le choix de l'équipe dont je venais tantôt de parler, vous avez aussi plusieurs ouvrages dont je vous laisse écouter du Céline Alvarez. Céline Alvarez qui a mis
sur Audible, Les lois naturelles de l'enfant, et qui a lu elle-même son ouvrage, Les lois naturelles de l'enfant. Donc, si vous avez des enfants et que vous avez envie de connaître davantage ou de comprendre davantage le comportement de vos enfants, n'hésitez pas. Vous venez juste, vous faites votre essai gratuit sur Audible, et paf, je vous laisse écouter du Céline Alvarez. Nous freinons constamment la capacité puissante d'apprentissage de nos enfants avec des méthodes inadaptées. Ils apprennent difficilement. Nous pensons alors qu'ils ont besoin d'aide extérieure et nous les emmenons chez des spécialistes, eux-mêmes débordés par le nombre croissant d'enfants dont ils doivent s'occuper. Mais offrez-leur un environnement de classe adapté et la très grande majorité d'entre eux vous surprendra par la rapidité, la facilité et la joie avec lesquelles ils seront tout à coup capables d'apprendre. Repenser notre système éducatif sur la base des grands principes de l'apprentissage et de l'épanouissement ne serait pas seulement bénéfique pour les 40% d'enfants en grande difficulté. Pensons aux 60% restants. Ils passent à travers l'étiquette de l'échec. Mais sont-ils vraiment épanouis? Donc voilà, pour ne citer que ces quelques ouvrages dont je vais vous faire écouter des extraits, les meilleures œuvres absolument écoutées se retrouvent sur Audible. Donc vous avez besoin, évidemment, soit pour vous divertir, soit pour vous former, soit pour vous relaxer sans vous préoccuper du prix pendant un mois complet. Aussi, je tiens à préciser que ces livres audio, ces podcasts et ces créations originales peuvent être écoutés sur tous vos systèmes, notamment sur iOS et sur Android. Si vous êtes sur un ordinateur, c'est possible de les écouter avec le système Mac ou Windows. Vous avez aussi des appareils qui sont compatibles, donc vous avez votre tablette, vous avez votre téléphone portable, vous avez votre montre connectée, et justement avec tous ces supports et dans tous les formats possibles, vous avez la possibilité d'écouter tous ces livres audio. Comme vous le voyez, nous sommes évidemment dans un catalogue très vaste, comme je l'ai annoncé au début, près de 500 000 ouvrages avec des thématiques assez variées. Donc vous avez la possibilité d'avoir des sujets donc, qui peuvent être liés, comme on a dit, à l'art ou au divertissement, à l'argent ou à la finance. Vous avez d'autres sujets qui peuvent être liés au business ou au développement personnel, à l'éducation ou à la recherche scientifique. Des sujets un peu plus coquins qui peuvent être liés voilà, au romantisme ou à l'érotisme, donc à l'histoire ou à la géographie aussi. Donc des sujets, si vous êtes passionné d'informatique, vous les retrouverez sur Audible, d'informatique ou de technologie. Si vous êtes friand des enquêtes policières, n'hésitez pas, vous avez aussi des œuvres à suspense, des séries policières aussi. Si vous êtes un peu plus sage, des sujets liés à la spiritualité ou à la religion, et n'oubliez pas, vous avez aussi la possibilité d'avoir des sujets liés au sport à écouter, donc comment est-ce qu'on s'exerce de telle ou telle manière pour avoir des pectoraux, des abdos, ainsi de suite, ou bien-être en général, ou des tutos beauté pour les femmes et les jeunes filles. Donc vous avez vraiment une pléthore de thématiques qui sont traitées avec Audible, et tout ça pendant un mois gratuitement. Donc vous pouvez les avoir à disposition. Donc je vous laisse venir découvrir après votre souscription le reste des sujets traités sur Audible, et je vous dis que vous ne soupçonnez même pas certains livres audio qui sont sur Audible. Donc venez et vous verrez. Alors pour vous inscrire et ne rien manquer de cette offre d'essai gratuite, donc je vous invite à cliquer sur l'unique lien donc dans la description de ma vidéo. Vous serez ensuite automatiquement redirigé vers la page d'essai gratuit de Audible sur Amazon. Donc comme vous le voyez ici, il faut juste venir ici, cliquer sur continuer vers l'offre d'essai, et voilà, vous aurez ensuite à remplir le formulaire d'abonnement qui, je le précise, est sans engagement. J'insiste là-dessus, vous n'êtes pas obligé de rester après la période d'essai. Et voilà, c'est fait. À vous les belles évasions dans le confort de votre salon ou pendant que vous faites le ménage, tout simplement en mettant le son sur un haut-parleur, ou simplement avec des oreillettes si vous le voulez, dans la chaleur de votre lit, dans votre confort, ou en marchant dans la rue avec vos oreillettes, vous écoutez un bon livre audio, ou dans les transports en commun quand vous êtes en déplacement dans les transports en commun. Cependant, attention, soyez vigilants, je le rappelle, une petite astuce, comme je l'ai dit, c'est un essai gratuit de 30 jours. N'oubliez surtout pas de vous désabonner. N'oubliez surtout pas de vous désabonner à la fin de la période d'essai Audible afin d'éviter d'être facturé. Donc, si vous ne voulez pas mettre votre carte bancaire principale, vous pouvez mettre une carte bancaire temporaire pour être tranquille
Par ailleurs, si vous avez été séduit par l'offre audible, s'il y a d'autres livres audio que vous avez envie d'écouter par la suite et souhaitez continuer par bénéficier d'audible, il suffit de ne rien faire après la période d'essai et vous serez reconduit automatiquement. Donc, vous avez la possibilité d'écouter les autres livres audio qui vous intéressent. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et des petits commentaires si vous avez des questions ou pour nous encourager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Métaverse pour de nouvelles astuces pétillantes. Merci et à très bientôt.